Bote bonjour, balinga mikatina yesu, ezanga wa bino mamalam, c'est Véronique. Na ye lisus kuba kisela bino ya lilo. En tout cas, pona ba o yunyo sotu ba kolanda biso, ekozala vraiment profitable. Pona bango, bako ba appliquer yango, ekozala vraiment bénéfique pona lobby na bango. Merci beaucoup. N'a copé sa conseil au, en tant que corps médical, c'est vrai, n'a copé, c'est vraiment le terme médical, parce que ils en a n'a battu surtout par Hollande, puis sur baza ba corps médical, ba yebi penza ko ba technique, ba parole technique, ou bisoto za la kanango, mais n'a copé, ça juste l'essentiel pour battre ba comprendre. Ngaye. Ya mpoto banda na kumisi mokili nanga. Na kumisi mokili nanga ya kili mokili oyo. Apesi biso mayele, apesi biso bwanya, apesi biso makasi, azali kotampu sa biso, azali kubundela biso, tongo midi pokwa. Malgre ba erere, kasi azali kubomba, azali kubatela. Yango tukulinga mingi, tolongwa na kati na ignorance, toyeba na ko. Ko yeba ou esengel to yeba pona to se protéger pe na kompone sou de to beleli. Amen. Merci beaucoup balinga mikati na kolo na kopé sabino quelques conseils na ébité ce que vous avez comme 5 ou 6, mais de toute façon j'aimerais donner 5 conseils par séance ce qui concerne notre face. Ce qui concerne notre face est vraiment sensible. C'est pour ça que nous devons éviter de toucher notre face avec les mains sales. Les mains sales, ça peut produire les infections que nous voyons parce qu'il y a la poussière. Quand il y a la poussière, nous voyons des boutons aussi qui sortent et puis quand on mange pas bien, il y a aussi des histoires qui sortent au niveau du visage pour dire quoi, je suis enflammé, je ne supporte pas ce que toi tu manges, je ne supporte pas ce que toi tu mets, donc je suis sensible, il faut faire attention. Donc c'est pour ça que nous devons aussi faire attention comme ça. Alors sur ça, si tu trouves les boutons qui sortent au niveau frontal, au niveau de la face, du niveau facial, disons, et au niveau frontal, il faut faire attention vraiment pour enlever ça. Si tu n'as pas préparé, si tu ne sais pas comment préparer la face pour enlever les boutons, ne tuez pas, disons, ne fais pas sortir la graisse qui se trouve dans ta peau comme ça sans pour autant préparer la peau. Parce que la peau, à des fois, ça demande une préparation qui est due dans de l'eau chaude, dans les vapeurs, pas de l'eau chaude, mais dans les vapeurs de l'eau chaude, d'eau chaude. Tu peux mettre d'abord ton visage dans ces vapeurs-là. Je ne dis pas de mettre ton visage dans l'eau chaude, non. Il faut même pas aussi avoir l'habitude de mettre ton visage comme ça collé dans l'eau chaude, dans les vapeurs de l'eau. Non, essayez un peu d'éloigner un peu. Ça entre, il y a d'autres qui sortent et puis il y a d'autres qui restent là pour et moudre un peu ta peau, de rendre ça un peu tendre avant de tuer, de faire trouer les boutons. Alors, il y a des espaces qui sont un peu sensibles dans notre visage. L'espace frontalier. L'espace frontalier ici, c'est vraiment sensible. On voit ici, 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 face, hein? Dans la partie antérieure, disons, de notre face, il y a les nerfs qui sont passés ici. Et ça ne nous demande pas vraiment nécessairement de trouer les boutons avec pression. Non. Parce que
Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, un petit bouton qui sort d'ici, ça peut te rendre mal à la tête parce qu'il y a le bouton qui est sorti au niveau du nerf. Les nerfs là, ça ne supporte pas les chocs. Donc tu peux les laisser comme ça avec ces boutons-là, ne touchez surtout pas pour éviter des problèmes, des inflammations. Des inflammations, des infections au niveau des nerfs, et puis tu le laisses comme ça parce que il y a un garçon que j'ai connu, un enfant de notre madame, quand nous étions en primaire, il avait trouvé un bouton ici au niveau des sourcils, mais ça l'a créé des problèmes jusqu'à ce qu'il a perdu sa vie à cause de ça. Donc, il faut être jaloux, il faut être jaloux, jalouse sur notre face. Si tu as les mains sales, ne cherchez pas à mettre les mains sur ta face parce que ça peut te créer des inflammations aussi. Ça peut te créer des inflammations, tu vois. La partie ici est devenue rouge comme ça, pourquoi? La partie ici, il y a beaucoup de boutons comme ça, pourquoi? Parce que nos mains, si ce n'est pas propre, ce n'est pas bien. La face est vraiment sensible. Deuxièmement, je dirais sur ce qui concerne la façon dont nous lavons notre corps. La façon dont nous lavons notre corps, nous devons commencer à laver la partie inférieure du corps, pas chercher d'abord à nettoyer la tête. Non. Parce que la tête, on prépare ça avec la partie inférieure de notre corps. Quand tu mets de l'eau dans la partie inférieure de notre corps, c'est à partir de là que le corps va faire sortir ces anticorps pour immuniser le corps entier et se préparer contre un ennemi qui vient. Hein? Nous appelons ça comme ça. Un ennemi qui vient attaquer la peau et lui, il se prépare déjà. Il met déjà ses systèmes immunitaires pour empêcher. Mais si tu jettes directement de l'eau sur la tête, la partie cervicale n'était pas préparée. Il y a beaucoup de chocs qui se posent. C'est que nous voyons que les gens meurent souvent quand ils se lavent. Et puis, cerveau, ils ont préparé. Et quoi, ils Yangwana, il faut tout ça l'attention, il faut tout bandakana nanzo to immuniser corps mobimba, to préparer corps na bitumba ozoya na mutu, ali to yoko sopa mai na mutu, hormone osa dégager corps na yo ikosa la vraiment protéger. Détroit, Elongi na biso, il faut pas tout sokola mon na mai moto. Moi j'avais dit le premier c'était les vapeurs. Vapeur d'eau chaude. Là, cette vapeur-là, la vapeur-là est d'accord pour rendre, pour tendre, pour na obimisa, ba graisse na yo, na malembe, surtout pour na ou déranger, ba nerf ou isan à niveau facialité et ça là, ba inflammation. J'ai dit de l'eau, c'était vapeur. Et ça là qui Mayamoto ti. Alors, na mayamoto, mayamoto sokolanguna nzoto na yo, ko sokolanguna elongiti. Parce que ekomisaka ba ride, et ça là, et tire vite, ba graisse oiza na elongi na yo, et rendre ango sec. Tango zo rendre ango sec, et zo sala ke, loko la, mopepe, et takaka. Elongi, graisse oyo ezalaki approvisionné pour na ebima et protéger elongi ebimi na mai ya moto donc elongi na yo ekotikala sans graisse pendant un peu longtemps alors yango wana esalake moto abota ba ride mbangu
il faut éviter maya moto ne longi. Et puis batumsusu bazaka un peu pour sensible soka chema ya moto ndetinga tuna chema ya moto ne longi na ka mo ba picotement mo robo ne longi. Alors on préfère nier kocha mai ya malili na face, mais avant ya kocha mai ya malili na face il faut nzoto nanu ezwa mai, surtout soko za na position debout na kati ya douche. Lobe soko vandi mais ezaka malamu te, c'est mieux ou éviter ou sopi mai na nzoto nzoto no ebimisi ba anticor nango et miniser corps na yo mobimba. Après, il y a des gens qui ont été préparés et qui ont été préparés. Quatrièmement, na ba mama ya bana. Ba mama ya bana, il faut tout yé barake. A tabiso mon ba mikolo. Il faut tout yé karabana ba ni atarama belé. Na tango. Na tango. Ou longo li mwana na mbeto. Ou kiti si etan wazo vanda na po. Ou tike makolo na epolele. Yani ati na se. Ata malili wana esala pinza bari mte. E za malili moko protecteur. Qu'est-ce que je fais? Le fort protecteur. Parce que ça protège le corps. Ça immunise. Et immunise ka corps. Ça crée des anticorps là. Qui prépare la journée, disons, contre ba attaque ebele ya corps. Ils ont des microbes, des biloko ebele, mais ce qu'on a un système ya kosala bongo nzoto ya mwana ekoza vraiment na force nango akobanda ko bela bela pamba pamba te. Et puis bana, il faut tous en habitude à couper Melissa bana mai na tongo kulukana kupesa mwana dejenete pesa ya takatikati ya vera mai ndenge mwana biso pe ba mikolo to melaba mai et prepara surtout avant sokola o meli mai na yo ata vera moko otikali panda 5 minutes ou vandi calme tango kwa ko sokola vraiment nzoto no ekozala immuniser ekozala préparer ba antikor na yo ekotele mana niveau moko ekobundela o. Alors na bana na biso pendenge moko et pesaka force na nzoto et puis ba antikor na yo ekotele ma ekobundela contre ba malade ba nini nyonso to. Cinquièmement, et là qu'on a causé un abisso ba mama, olimbisi, biso ba mama, tout veiller, na bilo qu'on a biso ya kulia na tango. Nzo to soki e yambina nou n'importe quoi te, il faut qu'on prépare un liquide chaud et ça l'aura bien nanzoto parce que ikenda ko ravitailler makila puissance à makila et immuniser corps na yo et pesio force moko boye de façon que au limbati vous allez toujours na force wana ya ko travailler pendant une journée. Ce qui aussi l'expérience bato balia ka fufwa malili na tongo bato balia ka bilo kwa kilo na tongo bazala ra fatigué omuna ozana tendance à lala, mais tandis que soko banda ki journée na yo non na mai tango avo bosser ou meli mai au normal comme la maya malili te, parce que maya malili pe koko compliqué ba voie respiratoire na yo eza bien te ou meli na maya moto ou meli mai na yo normal na tango zo lingo salati na yo salati ya moto ou meli ata mai ya moto kaka ou meli nano ou soki kutu de préférence ba mama ou à monique et ça n'a pas sans autonomie à la propre et à la bien aux huiles citron moi mon qui au tien à kati et puis bateau bazar n'a pas problème cardiaque t'es bateau bazar n'a pas palpitation cardiaque t'es bateau bazar n'a pas problème yaba édem t'es bateau bazar n'a pas problème yaba diabète t'es yaba tension t'es à coquille aux oies citron gastrite et à la n'a problème t'es na
Ah, na citron. Okoki kozwa citron na yo, osopi mwa geste mokie na kati ya mai wana ozomela. Soki okoko komela, obongo te ochata mwa kuyere ya miel. Soko meli yango, esili, en tout cas, force na yo ekozala normal na journée okolemba lemba te. Et puis, ekopesa openza apeti ya kulia lia lia te. Biso pe te koyeba mwana sima. Na yango, to mekako tire mwa attention na biloko ya kolia na biso na tongo, pa tro de sucre, parce que le sucre la sa crée de lipide, lipide wana ezo ko crea ka ba obésité, obésité ya wana to koumara ba minini, mbam, mbam, tozo koufa, mbam, mbam, po anini, moté mes obétels sous bien tes circulations sanguines et au kindé naba bakal naba blocage et au salaké batebele basoko vivre pantalon tate. Je pense que na symbole pentate pour prochainement de toko symbole en malamo toko lukapeto interview ba docteur msoso ba collègue msoso ba oye bazana biso to salaki na bango ensemble to yebani toko singapé ba conseil pour na to aider toujours société na biso to kende liboso na o etangami bomoi na biso ya solo to lobite ke so to sali bongo to kufate. Non, c'est Dieu qui connaît la vie, c'est Dieu qui a la clé de la vie et de la mort. Mais e kobenda pe mwa mikolo mulai na bomoi na biso na yango na kosenga conseil ya suka ifoto e baka kosala ne fiska ta cross na tongo olamuki omeli mai na yo ozeli pendant 5 minutes avant sokola okimi ata na chambre osali ata mwa cross moko boya ta pendant 30 minutes ofandi ozeli kotoka wana ekota yo soko toki kosimbaka elongi te na loboko zwaka ta serviette opangusaka elongi koza te o na sokolaki na butu maboko nangeza propre na simba elongi ba bilongi mosusu sensible ebimisaka ba bouton donc yango wana ifu tosala attention na maboko na biso par rapport ya elongi na biso. Pour cause à côté ça qui salité mon boyer au simbie longi c'est pas bien il faut baby ça au pays longi na yango na lingi bino mingi toza na kati ya liste ya ba conseil to ko continue ko pesa bino ba conseil ata ya kati to ko pesa to tiki bino bo commenter bo s'abonner to ko continue na bino elongo merci. Père éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, tu nous as donné comme nourriture aujourd'hui et ce que tu nous as révélé de donner aux autres, nous avons partagé ça parce que nous avons réussi ça et nous partageons ça aux autres afin qu'ils sachent aussi, qu'ils prennent garde et qu'ils continuent leur vie avec ton amour infini car tu es le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ciao. Nalingi bino mingi botika malamu.